Je crois qu'on imagine assez facilement les âmes du purgatoire dans leur souffrance, c'est-à-dire dans l'aspect de ce qui nous fait peur et de ce que nous voulons nous-mêmes éviter. Si les âmes du purgatoire souffrent, nous disons-nous, c'est contre leur gré, c'est une punition qui est liée à l'application de la loi divine. Eh bien non, il est vrai que les âmes souffrent énormément au purgatoire. Mais elles sont consentantes, elles sont demandeuses, et loin de le percevoir comme une punition de la loi divine, elles le perçoivent comme une joyeuse occasion de mettre en ordre, selon l'ordre de la loi divine, leur propre vie. Elles veulent être livrées à la justice parce qu'elles veulent être menées à la perfection des justes qui vivent dans la joie du paradis. Deuxième jour de la neuvaine pour les âmes du purgatoire, proposé par la famille de Saint Joseph et animé par le frère Dominique Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Quand on a ce magnifique mouvement qui est décrit dans la lettre aux Hébreux, où on voit la, la multitude qui monte vers la montagne de Sion et vers la Jérusalem céleste, entourée de tous les cœurs angéliques, en fait, de tous ceux qui sont invités à entrer dans la joie du paradis, tous ceux dont les noms sont inscrits dans les cieux, Mais on voit qu'au sommet de ce cortège, il se présente vers Dieu en tant qu'il est le juge de tout. Il faut se laisser toucher par cette ambiance de fête. Il est heureux que Dieu soit juge de tous, c'est-à-dire que dans sa lumière, nous puissions faire la clarté dans nos vies. Et c'est ainsi que la justice de Dieu s'impose, non pas par la violence, non pas par le poids de la contrainte, mais par la douceur de l'ordre et de la paix qu'elle fait régner. Et cette douceur-là, on la comprend dans le fiat de la Vierge Marie. Elle dit oui à la volonté de Dieu sur elle, et son oui est aussi un oui à la volonté de Dieu sur tous les hommes. Elle dit oui pour le salut. Eh bien, ce que Marie a vécu dans sa maison à Nazareth, les âmes du purgatoire le découvrent en présence de Dieu. Sa justice s'impose paisiblement dans la clarté de son amour. Sa loi apparaît pour ce qu'elle est, non pas un cadre contraignant, violent, mais une invitation au bonheur éternel. Et c'est cette ambiance paisible que Catherine Emmerich raconte dans ses visions du purgatoire. Sur la terre, tout est mélangé de péchés, de mensonges, d'injustices, alors qu'au purgatoire, tout ce qui se fait s'opère selon la justice la plus parfaite et a pour but la lumière la plus plénière. Je suis ainsi touché par ces passages où Catherine Emmerich décrit les démons qui tourmentent certaines âmes du purgatoire et elle dit Les douleurs sont telles, les persécutions sont telles que ça pourrait être celle de l'enfer. À un détail près, la patience indiciblement touchante des âmes qui subissent ces souffrances. Elles comprennent que tout est pour le bien, que tout est pour le mieux. Elles embrassent cette épreuve parce qu'elles la voient déboucher sur la béatitude. Alors, frères et sœurs, prions de trouver repoussante toute volonté propre, que notre désir nous porte uniquement vers la volonté du Père Éternel. Et mieux encore, en cette neuvaine, offrons notre volonté propre en sacrifice qui plaisent à Dieu et obtiennent la libération des âmes liées par les injustices et les désordres vécus pendant leur vie terrestre. Et nous le faisons aujourd'hui avec saint Alphonse de Ligori. Ô très doux Jésus, par ta sueur de sang au jardin des oliviers, aie pitié des âmes de nos défunts. Ô très doux Jésus, par la souffrance de ton couronnement d'épines, aie pitié des âmes de nos défunts. Ô très doux Jésus, par les douleurs que tu as endurées en portant la croix, aie pitié des âmes de nos défunts. Ô très doux Jésus, par ton agonie sur la croix, aie pitié des âmes de nos défunts. Ô oh, très doux Jésus, par ta souffrance, en mourant incompris, rejeté de tous et solitaire, et pitié des âmes de nos défunts. Amen.